Alors, Claire Compagnon, je suis déléguée interministérielle en charge de la mise en œuvre de la stratégie nationale autisme et troubles du neurodéveloppement. Voilà, moi je suis ce qu'on appelle un haut fonctionnaire, c'est-à-dire quelqu'un qui travaille pour l'État, pour la mise en place, la mise en œuvre des politiques publiques. Et par ailleurs, je suis inspectrice générale des affaires sociales dans le corps de l'IGAS, pour reprendre un peu ce jargon technique et administratif, c'est-à-dire l'IGAS, c'est un ensemble de gens qui sont chargés d'observer les politiques publiques, de les évaluer, parfois de les contrôler, de venir en appui d'un certain nombre de ministères. Et on a été, mes collègues ont beaucoup été en appui là, pendant la période de crise sanitaire. Voilà, donc on est des gens qui sont un peu spécialistes des politiques sociales et qui sont en charge de veiller à leur mise en œuvre. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Claire Compagnon pour cette interview pour le Centre d'Excellence Heimann. Et nous sommes ravis de vous avoir vu à Lyon et nous espérons que vous reviendrez nous voir bien vite. Avec grand plaisir.